Yop tout le monde, c'est Blurset, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, on se retrouve pour les récompenses clash d'équipe comme tous les dimanches. Donc aujourd'hui, j'ai fait, enfin cette semaine plutôt, j'ai fait Elite 1, comme la semaine dernière bien évidemment. Je fais les 40 matchs, donc forcément j'arrive à ce stade là des paliers ou des échelons ou des niveaux, comme vous voulez, appeler ça comme vous voulez. Donc on est sur l'épisode 17 de mon avancée sur FUT. Donc comme vous savez, Elite 1 ça donne 2 packs et 26 000 crédits. Donc c'est plutôt sympa, sachant que j'ai 126 000 crédits vu que j'ai vendu Van Dijk. Bon, je sais que c'était pas une bonne idée, mais du coup je suis reparti sur une française, full française juste. J'ai mis Danchuma, j'ai juste Danchuma qui est le dernier survivant hors français. Et du coup ça donne ça. J'ai pris Mukele, j'ai pris Mendy. Sur les côtés, Kimpembe, je l'ai packé hier dans un pack assez nul, donc voilà. Et sinon le reste, bah, c'est sympathique quoi, c'est du classique. Moi si j'arrive pas à jouer avec Kamavinga ou Fekir, je rentre Bruno et Vidal et Rashford sur un des deux côtés si jamais je vois qu'il y en a un qui est moins bien. Ou même rentrer en buteur à la place de Benzema si vraiment ça devient compliqué. Mais j'ai vraiment du mal sur FIFA, donc là ma voix, vous m'entendez, j'ai une petite mine et tout, mais c'est normal que c'est la solitude. Comme toujours, c'est un peu délicat et toi à en parler, mais c'est plutôt sympathique quand même. Enfin bref, je vais vous ouvrir de petits packs, 12 éléments et que des joueurs dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Donc juste 2 packs sur cette vidéo là, ça va être assez court. Donc je vais essayer de vous faire ça le plus tranquillement. J'espère avoir des bonnes récompenses. Belgique, gardien, Courtois. Non, même pas, c'est Castel. Dommage, mais c'est un des gardiens cheat du jeu, je pense, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir. Est-ce que c'est vendable? Oui, c'est vendable, donc je sais pas s'il vaut quelque chose en vrai. Oh, 7000. Ouais, désolé, j'ai vraiment une petite mine, je devrais pas faire la vidéo maintenant, mais vas-y, on est dimanche, il faut que je le fasse quoi. Vas-y, je vais mettre à 6800. Ça va être sympa. Cocampo, je pense pas qu'il vaut quelque chose. Mais ouais, mais j'ai pas. Ouais, cette semaine, j'ai pas réussi à battre mon record. J'ai fait que 51 000. Je l'ai noté, mais je sais plus exactement. Mais en gros, 51 800, un truc comme ça. Donc en soi, ça. 50. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même sympathique. En fait, si vous voulez, j'aurais pu faire mieux que 52 060. Mais le truc, c'est que le match, je l'ai tenté en champion le dernier. Et je l'ai perdu en champion, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais pu juste mettre pro et j'aurais fait mieux que la semaine dernière en termes de points. Mais bon, dans l'idée, c'est le même nombre de points que j'ai fait. Donc en vrai, on s'en fout un peu. On sait quoi, je les balance tous à 800, je m'en fous. Ah, Baldé, il est retourné en Serie A. Il y a une belle carte encore une fois, hein, sur tous les FIFA. Enfin, c'est un joueur méta, hein, 91 de vitesse et tout. Mais GG. Augsburg, mon joueur, un des joueurs que je kiffe le plus au milieu de terrain. Même s'il a que 60 de vitesse, ça fait un peu peur, mais. Mais ouais. Animation encore, anglais, buteur, Vardy, 86, bon bah ouais, c'est un joueur intéressant encore une fois, hein. Bon, c'est du vendable, oh, avec un petit boost. Il va vouloir pas grand chose, donc limite vente rapide, c'est bien aussi. Hein. Vas-y, c'est quoi, je les mets à 6600, on s'en fout. Vardy, je pourrais le garder, mais en vrai je vais pas le garder, je vais me faire du crédit. Si jamais je dois changer mon équipe, n'hésitez pas à me dire des joueurs qu'il faut que je mette dans mon équipe pour l'améliorer encore. Essayer de faire du collectif évidemment, vu que là je suis parti en full française, mais on peut très bien mettre un joueur des autres nationalités. Par exemple un Valverde pourrait rentrer au milieu de terrain dans mon équipe du côté Liga, si je fais le petit côté Liga quand même. Ça peut rentrer, ça fait des liens, il n'y a pas de problème, tu vois.
Donc ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à me dire ça. Et sinon, même d'autres joueurs proposés. Je vais faire un peu de perte sur ça, vu que je viens de le mettre un peu. Merde, qu'est-ce que je fais? Chico Carlos, ça va un petit peu, ouais, un petit 1002. Je les garde pas, ces joueurs, j'aurais pu les garder, mais voilà, ça me fait des crédits, donc c'est cool. Bon, j'ai pas eu de chance folle là. J'ai pas offert de match ou quoi, ou truc, c'était juste pour vous ouvrir les deux petits pas, qu'on sait jamais, tu vois. J'aurais pu chatter comme ne pas chatter, tu vois, mais. Aussi, désolé s'il y a des vidéos assez tardives, les vidéos sont sorties assez tardivement et tout, c'est que je me sens pas très 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 bien ces derniers moments, tu vois, c'est logique, tu vois. Avec ces derniers mois que j'ai passé, c'était vraiment dur. Mais vas-y, c'est pas grave. Ah bah ouais, 5003, il est parti direct. C'était cadeau. Là, je l'ai fait cadeau. J'aurais pu le mettre à 6000, 7000, mais. Je sais pas, j'ai appuyé sans faire exprès sur le truc. Enfin, je sens pas très très bien en vrai. J'ai pas mon tir. Là, je vais me poser devant une série, je pense, et je vais m'endormir comme une merde, vu que je me sens vraiment pas bien. Mais c'est pas grave. Bref, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour me soutenir dans mes moments moins bien et tout. Ça me ferait plaisir. Donc Instagram, Twitter, Discord le plus important pour montrer votre soutien et tout. Et puis sinon, je vous laisse là-dessus. Ciao.